Elle vient te délivrer. De la même manière que Jésus a délivré cette femme de l'esprit d'infimité, le célibat quitte ta vie au nom de Jésus. La stérilité libère ton ventre. Ton ventre était fermé. Tu n'arrivais pas à procréer. Pendant que je parle, la force de Dieu saisit ton ventre. Les puissances de Dieu libèrent ton ventre. Je maudis la présence de la stérilité. Je te proclame délivré. Là où tu as été, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Je sens que la main de Dieu est en train de te toucher. Et la maladie est en train de partir. La maladie est en train de quitter ta vie. L'Esprit de Dieu te visite. Et reçois la visitation et la puissance de Dieu. Le fardeau que l'ennemi t'avait porté quitte ta vie. Au nom de Jésus, tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle personne. Dieu change ta vie. Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. Dans ton corps. Regarde. L'esprit te touche. Le Saint-Esprit te délivre. Je sens que quelque chose en train de se produire. Quelque chose se passe. Les chaînes ont commencé à être brisées. Les chaînes ont commencé à être brisées. Les chaînes ont commencé à être brisées. Et l'Esprit te libère. Je brise les chaînes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Là où tu as été, reçois ta délivrance. 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 Dieu libère ta vie. Dieu change le cours de ton histoire. Il te libère. Il chasse maintenant la pauvreté, la misère de ta vie, de ce mal. Éteins dans ton corps et de ton ventre disparaît. Ça disparaît. Ça quitte ton corps. Et ça quitte ta vie. Voici ton miracle. Voici ton miracle. Saisis-le. 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 Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Il y a la boue dans mon bain. Oui, la boue. Jésus. Jésus.
Six.
vous avez détruit quoi dans sa vie? Fils. Oui, vous laissez des mots. Fils. Qu'est-ce que vous avez détruit dans sa vie? Fils. Qu'est-ce que vous avez détruit? Fils. Allez. Fils. Oui, qu'est-ce que vous avez caché dans sa vie? Fils. Qu'est-ce que vous avez caché? Fils. Lâchez. Fils. Allez, lâchez. Fils. Allez, allez, allez. Lâchez. Fils. La puissance de Jésus.
Merci, Jésus. Merci. Délivrez son âme. Merci. Délivrez son âme. Comment je t'appelle? Comment t'appelles? Je t'envoie pas de Jésus. Lâchez-le. Attends bon. Vous quittez sa vie. Ah oui, vous pouvez. Vous le lâchez de suite. Le raté, mais c'est le bon. Comment? Et rien dit. Dans le nom de Jésus. Je dis non. Vous le lâchez. Là, Dieu bon. Lâchez-le. Adieu bon. Lâchez-le. Adieu bon. Son corps. Allô, bon ami. Quittez son corps. Allô, bon ami. Libérez sa vie. Allô, bon ami. Maintenant, là. Venez vous. Au nom de Jésus. Délivrez. Il voit deux, huit esprits dans son ventre. Un gars, oui. Gordaï et Gordon. J'envoie le feu dans le ventre. Et je le poserai. J'envoie le feu dans le ventre. Et je le poserai. J'envoie le feu dans le vent. Et le feu dans le vent. Je vous commande. Et ça y est. Quittez. La voie est pour le libérer. Ça te dit. Au nom de Jésus. Libérez-le. Libérez-le. Ça te dit. Maintenant. Libérez-le. Je dis. Maintenant. Libérez-le. Je dis. De suite là. Lâchez-le. 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 Adore. Allez-y. Amen. Quittez le corps. Amen. Amen. Lâchez-le. Allez-y. Amen. Pousse ton ennemi et va. Garde les anges et pousse ton ennemi et va. Garde les anges et pousse ton ennemi et va. Garde les anges et va-t'en. Meuve. Dans la mer. Dis-le. Va-t'en dans la mer. Mais dis-le. Lâche-le. Tiens bon. Tu es vaincu à jamais. Et c'est avec le roi. Au nom de Jésus. Je dis, ignore. Son âme est libérée. Encore te dis. Brise les chaînes. Et te dis. Au nom de Jésus. Je dis, ignore. Brise les chaînes. Et te dis. Au nom de Jésus. Je ignore. Les chaînes de la captivité. Avec le roi. Regarde ta migrante. Et ils ont la vie de l'eau. Maintenant. Maintenant. Je proclame ta délivrance. Vas-y, je veux venir. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Jésus, ignore. Dans le nom de Jésus. Jésus, ignore. Libérant ton âme. D'accord, je dis. L'esprit. Dans le ton de la bombe. Reçois ta délivrance. Viens la vie de Dieu. Et maintenant. Dans le nom de Jésus. Jésus, ignore. 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 Au 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 nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La retraite. Libère ton âme. Et tiens la gorge. Elle libère ton âme. La gorge de vie. Elle libère ton âme. La gorge de vie. Elle libère ton âme. La gorge de vie. La puissance de Dieu libère. La retraite. Tiens la gorge. L'esprit de Dieu libère ton âme. La gorge. L'esprit libère ton âme. La gorge. Tiens la gorge. L'esprit libère ton âme. Où est-ce que tu as vu? Oui, je proclame ta délivrance. Et donne la vie de Dieu. Maintenant. Et donne la vie. Au nom de Jésus. Lignon. Au nom de Jésus. Lignon. Au nom de Jésus. Lignon. Lâchez-le. Lâchez-le. Allez. Allez. Vous allez partir. Allez.
Vous allez partir. Maintenant même. Le feu chez vous. Le feu, ça. Et donc, voilà, lâchez-la. Allez, vous allez partir. Allez, vas-y. Vous allez partir. Allez, vas-y. C'est vrai? Vous allez partir. Vous allez partir. Au nom de Jésus, reçois la délivrance maintenant. Reçois ta délivrance. Vous êtes combien dans ce corps? Au nom de Jésus, quittez sa vie. Vous êtes au nombre de combien? Je sais pas. Comment je t'appelle, dis-moi. Toi, qu'as-tu ton corps? Quel est ton nom? Tout ce qui essaie là, quand quelqu'un me fait quelque chose là, puis je suis fâché là, il ne laisse pas pour moi la cadeau. Tu as un nom. Donc tu as un nom. Comment tu t'appelles? Quand tu me fais le mal, je te rends. Tu as un nom. Elle ne reste pas à l'étranger. Après, elle ne reste pas à l'étranger. Vous avez attendu. Voilà, ça reste pas l'étranger. Quel est ton nom? Quitte sa vie. Maintenant, démon guerrier, voilà, vous voyez son nom, ça, c'est un démon guerrier, il y a âme chimique, tu vas partir, tu vas la laisser, quitte son cœur. Lâche ton cœur. Elle te fera souvent. Hein? Pas là. Démon guerrier, lâche-la. Lâche-la. Il va quitter sa vie. Et c'est un homme. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Quitte.
pour dire en réalité ta femme, il y avait un esprit qui contrôlait sa vie. Voilà. Pendant que je priais pour lui, j'ai vu que ses yeux ont changé. C'est comme une panthère. Il me regardait. C'est ça qu'il vient prier pour toi. C'est pour ça qu'il faut avoir des yeux spirituels. Non, voilà, les yeux spirituels. L'achat. Démon guerrier. Démon guerrier. L'achat. L'achat. Tu m'attends? Pizza. Aujourd'hui même. Maintenant même. Le feu est sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Quitte son cœur. Voilà, quitte. Quitte son cœur. Maintenant, tu pars. Va. Va-t'en. Lâche ton cœur. Au nom de Jésus. Libère-la. Tu vas la libérer maintenant. Céder la place au Saint-Esprit, afin de céder la place à l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère. Le démon est en train de partir. Tu veux pas là. Quand il y a discussion, tu ne vas pas là. Il peut y avoir des disputes, tu ne peux pas là. Quand il y a un démon guerrier, il n'y a pas là forcément. Ça finit par aboutir à pas là. Et puis elle est comme ça. Tant qu'on ne fait pas là, on ne se sépare pas. Même si tu ne fais pas là, il y a 20 chiffres. Là, ça va faire 5 minutes. Sinon, dans la bouche, là, ça n'arrache pas. C'est un démon qu'on appelle le démon guerrier. C'est un démon. Vous avez vu son mari, demandez son mari, il dit, mais je ne fous pas là les deux. La force. Je vous dis, démon. Il donne force à cette femme. De pouvoir résister à un homme. C'est un démon. Il donne une autre force en elle. Tu vas partir. Voilà. Libère-la. Libère-la. Pour qu'elle soit en paix avec son mari. Pour qu'elle soit en paix avec son entourage. Libère-la. Libère-la. Libère son cœur. Libère son cœur. Libère son cœur. Lâche-la. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Qu'est-ce que tu as attaché? Dans son ventre. Qu'est-ce que tu as attaché? Dans son ventre. Vous êtes combien? 32. Vous êtes combien? 32. Vous êtes combien? 32. Vous êtes combien? Vous êtes combien? J'ai 1000 pounds dans ton ventre. Vous êtes combien? Je ne vais pas la laisser. Quel est ton nom? Toi qui as mis la zone. Comment tu t'appelles? Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Oui, mais donne-moi ton nom. Oui, mais donne-moi ton nom. Toi qui as mis la boule dans son ventre, donne-moi le nom. Tu vas la libérer maintenant. Tu m'attends? Au nom de Jésus. Libère-la. Je mets le feu sur toi. Je mets le feu sur toi. Le feu sur toi. Je mets le feu sur toi. Je mets le feu sur toi. Je mets le feu sur toi. Lâche-la. Lâche-la. Maintenant. 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 Voilà. Lâche-la. Maintenant. Lâche-la. Maintenant. Lâche-la. Maintenant même. Libère. Va. Va-t'en. Libère son ventre. Libère son ventre. Voilà, libère. Je détruis la présence de cette boule dans son ventre. Come out! Libère ton ventre! Nom de Jésus! Je libère ton ventre maintenant. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Libère ton ventre maintenant. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Allez, lâche-en. Si. Tu vas lâcher son ventre. Tu vas partir. Tu vas partir. Va-t'en. Va. 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 Va-t'en. 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 Ça va? Ça va? Ça va? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? I need to be.
Parce que c'est la relève de demain. Grand concert. Lato Crespi, nos deux champions ici. Tantôt, deux jours de concert. Je là. Tu vas prêcher. Amen. Il y aura un concert. Lato Crespi, nos deux champions. Et nous avons la finale du Barrettoscope. Version chrétienne. Ici à Zaroko, le 9. Ils seront tous là. Amen. Un vrai concert. Dio, les deux ensemble. La prophétie, nous avons des champions. Et pendant deux jours, on nous donne la parole de Dieu. Désolé, maintenant, pasteur. Donnez-moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et à partir de cette jeunesse, nous souvenir de toute la jeunesse du canton de Vata. Parce que c'est vous la relève de demain. C'est vous qui allez construire le Vata demain. C'est vous qui allez développer le Vata demain. Et d'assurer votre protection pendant cette période de vacances. Et la main de Dieu sur vous. C'est notre Dieu. C'est avec lui. C'est toi qui vas l'espoir. Les espoirs dans tes études. Amen. Tu vas attacher Jésus-Christ à ton cœur. Il faut marcher avec lui. Alléluia. Pendant cette période de vacances. Alléluia. On va faire beaucoup de choses. Donner les gratuites surprises. Juste pour vous évangéliser. Je vous assure que le Rhin Dio aussi. La peau crespi de la champion. Dédit Saint-Pasteur. Dédit la parole de Dieu. Déjà, je vous annonce que le 9, il y a un concert. La peau crespi et Dédit. C'est la finale du Barrettoscope dans le tour. Vata version chrétien. Je vous remercie à travers Jésus-Christ. Amen. Moins de dégâts pendant les vacances, moins de dégâts. Arrêtez de vous balétiser. Venez dans les salles de prière. Alléluia. Amen. Voilà que Dieu vous délivre de l'esprit de balai. D'autres mains s'est chassé. Ils ont fabriqué une homme, maintenant ils s'est chassé, ce n'est plus balai. Vous allez être délivré. Dieu vous aime. Mais obéissez à vos parents. Ne soyez pas des enfants rebelles. Amen. Amen. Votre avenir est entre vos mains. C'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'en profite pour vous dire merci. Vous qui avez nettoyé le village. Amen. Amen. La beauté de votre village, c'est votre image. Amen. Les Zaloko est devenu comme Jérusalem. Un lieu de pèlerinage. Donc, tout le monde vient ici pour rencontrer Dieu. Et c'est pour vous une bénédiction. Alors, s'il vient à Zaroko, tu dois constater que Zaroko est propre. C'est pour ça que nous avons décidé, nous, avec nos contacts, pour réhabiliter vos dispensaires. Donc, ne prenez que vos soeurs meurent d'après. Parce qu'il y a des femmes qui ont des champs de travail. Vos mamans, vos grands soeurs, vos tantes. Nous allons réhabiliter le dispensaire.
qu'avec le temps de tout dispensaire, c'est une vérité. Ça serait une réalité en début du mois d'août. Nous allons réhabiliter le dispensaire. L'infirmier va prendre fonction. On a mis la maison d'aller à Iré pour faire l'accouchement. C'est l'affaire ici. Tous ceux qui vont vouloir combattre ce projet, rencontrons Dieu sur les chemins. Par exemple, la jeunesse ici. Allez, je vais prendre le voilà, vous qui avez des temps. Voilà, tenez. Je sais que vous allez dedans. Vous allez manger. Voilà. Vous allez Dieu vous voit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les filles?
C'est comme si, on a cadre, on a fait un avant, on a fait un intervalle, on a fait un fait. C'est comme si on a fait un Je vais m'en prier à l'un de nous. Elle est rentrée dans le projet qui est si bon. Il y avait un nom de disque qui avait dit qu'il ne pas le faire en main et qu'il devait taper avec moi. Et lorsque le père prière est là, quand le père prière est là, c'est comme si pour cadeau, on peut la faire à même. Il y avait un vieux qui était en l'eau. Quand le besoin prière disant sors, la personne est sortie avec une épée. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé à ce lieu. Je dis merci au Seigneur et au prophète parce qu'il m'a délivré. Il y a même plus dans mes ventes, je ne sais plus combien d'années cela fait. Quand il a fait mon enfant, l'enfant a 18 ans. Il y a une boule dans mon ventre depuis 18 ans. Quand le mal se lève, ça me fait même juste, je vais jusqu'à l'évangélisation. Quand je suis arrivé ici, j'arrive d'habitude ici et c'est la première fois que ça m'arrive. Quand l'homme de Dieu a donné un verset, que la femme était toujours dans la syllabe, oui. Mais malgré cela, elle était toujours malade pour le bien. Elle était toujours malade. Je sentis dans mon corps comme si c'était de moi que l'homme de Dieu parlait. Maintenant, quand il priait, j'ai senti une douleur dans mon ventre. Et j'ai senti comme la présence d'une personne qui me disait c'est moi qui fais que tu la bouches plus. Quand l'homme de Dieu a prié, il ne voulait pas. Il ne voulait pas lâcher sa prise. Il allait me faire sauter tout le temps. Quand il a prié pendant un peu, le Seigneur est plus grand que tout. J'ai senti la libération dans tout mon corps. La personne qui m'a mis cette maladie n'est pas plus grande que Jésus. Et je sais que le Fils de Dieu est le nom de Jésus. Je remercie le Seigneur. Je remercie Jésus-Christ. Je remercie le Père Garçon. Grâce à lui, j'ai eu la libération. La parole est toujours en moi. Il a apporté les gens.